Eh bien, bonsoir à mes amis européens et bien bonjour à mes amis canadiens, américains, québécois. Je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle émission de Retour vers le passé en ma compagnie, donc Anthony McFly. Et donc, nous allons continuer les aventures de Ryu et compagnie. Et pour l'instant, Ryu et compagnie, donc, on va dire pour l'instant avec Nina. On va dire un peu en cavale. Il cherche après ses amis, donc Teppo et Ray. Mais ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être bien compliqué. Vérifie, hein. Donc ça c'est ok. Vérifie via aperçu vidéo. Ça m'a l'air bon. Donc on peut... On peut continuer. Donc nous étions arrivés. Avant de poursuivre, il faut que je récolte assez d'argent pour l'arme Claymore. Je crois que c'était 2005. Et maintenant il y avait aussi la pierre de Gidas, je pense. Oh, du Midas, la pierre de Midas. Bon, par contre, c'est 3000 de plus. 3000 de plus, c'est bien compliqué. Comme vous pouvez le voir, je suis à peine à 2370. S'il faut que j'ai 3000 supplémentaires, ça risque de durer. Donc, peut-être à l'avenir, si vraiment j'arrive à récolter 3000 dollars, 3000 zénis, pas 3000 dollars, mais 3000 zénis. Ben, je pourrais revenir, comme ça au moins je gagnerais 50% en plus en zénith. Ce qui serait pas mal du tout. Et par contre, ça donne un poids supplémentaire de 10. Et donc les actions fait qu'elles sont plus lentes pour la personne qui le porte. Donc là, on va essayer, donc, comme je disais, donc à 2500. On y est presque. Comme ça au moins ça vous met le temps de bien vous installer, le temps d'y arriver, si vous avez reçu la notification, etc. etc. Donc on n'est pas pressé. Ah par contre si l'adversaire a commencé. Ah pas heureux. Ah ça va, merci. S'il aurait fait l'attaque heureux, là ça aurait fait beaucoup de dégâts. Il se venge, mais bien sûr il farate. Et flamme. Par contre, je me demande si une attaque foudre. Ouais, quoi, on va tester. Là, par contre, à part accès, il n'a pas changé en dragon. Pas heureux. Ah, ça fait mal. Bon, moi, ça va tuer un des trois. Ah, ça rate encore. On va quand même on va risquer. Hein. Ah. Ben, oh là là, pas possible. Au cas où, je vais essayer de revenir en arrière. Parce que là, si je vois que ça... Oh non, ça fait manquer, c'est une blague. Bon, écoutez. Normalement, peut-être avec l'attaque de Nina, ça devrait aller. Mais au cas où... Non. Bon, pourquoi je fais ça, il a la capacité pour pouvoir donc se guérir. Donc lui. Oh oula, un PV. Un PV. J'ai vraiment de la chance. Bon là normalement c'est bon. Oui, parce que vu que
Avec l'attaque normale, ça fonctionne pas, donc on va faire. Donc ça fait 48 ennemis, on se rapproche. Ouais, au moins que les morts, ça va faire des dégâts. Même pour après, parce qu'après, il y aura des combats qui sont bien sûr plus compliqués, mais il y aura aussi un genre de. Ah, ça, par contre, ça peut rapporter gros. Par contre, vaut mieux pour Ryu faire. Voilà, guérir. Celui qui, vu qu'il peut pas attaquer tout de suite. Donc d'abord qu'il y a un gel, comme ça il gèle l'ennemi. Et on va faire pareil après pour l'autre. Voilà, donc Tarman est gelé, lui il attaque. Voilà, une petite attaque. 3 PV c'est rien du tout. Il va faire pareil. Et Ryu, bah, il va. Bah, il va attaquer. Hein. Voilà, ça, il est gelé. Voilà. Il attaque. Oh. Non, maintenant on a tout notre temps. Voilà. Et bien. Oh, on a le temps, on a le temps. Voilà, dernier coup. Donc 70 XP et 30. Oh, 30 seulement. Tant qu'on va faire ça. Alors, capacité guérir pour lui et pour elle. De toute façon, après, on pourra se reposer et ses points de combat vont être au. Revue à la hausse, antidote. Donc, vu que c'est des volts, enfin, volt Ryu le tue d'un coup. Le tonnerre, je pense que je vais faire ça, les volts. Ryu lui se pousse, voilà, c'est parfait. On a gagné en compétences, blablabla. Coup de Simon. Ah, il manquait pas grand chose. Et il se pousse, il va le faire sûrement sur nous. Bah oui. Hein. Ah, merde alors. Bah, sur tonnerre, pas normal. Ah oui, non, par contre, s'il se fait sur lui-même. Ah, non. Voilà. Et ouais. Bataille gagnée, ouais, 50 XP. Oh, bah, je pense qu'il y aura peut-être un niveau supplémentaire en même temps que les 2500 zénith qu'on doit avoir avant. Pareil, on va se guérir. Voilà. Normalement, si tout va bien. Voilà. Double coup, ça va. On résiste, on résiste. Ah, bien sûr, manqué, hein, tant qu'à faire. Et donc là, ça fait. Ah bah, 2500. Mais. Vu qu'on se rapproche. Du prochain niveau, on va en profiter. Et je vous promets, juste après, on va faire. Ah, ça c'est peut-être pas forcément une bonne chose. Bon, tant pis, faire ça. Et Ryu va faire sur l'autre. Ah, ok, c'est bon. Et le deuxième, pas heureux. Ah,
ça fait mal. Et ils se vengent. Magnifique. Et ça, vraiment, ça doit se faire, hein. Parfait. Donc, point d'expérience 25. Ouais, encore 2-3 combats et c'est bon. Donc. Non, pas équipement. Pourquoi je vais mettre là, on peut. On guérit. Tac. Voilà. Donc, il reste plus que 2-3 combats, comme ça, moi, je monte d'un niveau pour au moins Ryu. C'est mon personnage principal. Et Nina, à un moment ou l'autre, je la mettrai à part. Au fur et à mesure du jeu, vous allez comprendre pourquoi. Donc d'office, on va dire jusqu'au bout du jeu, il y aura Ryu, parce qu'on aura c'est notre personnage principal. Mais plus tard, vous allez rencontrer d'autres personnages qui sera plus important pour l'avenir. Plus efficace surtout. On s'est occupé de du plus difficile. Ah, ça fait mal hein, quand même. Alors voilà, attaquer normalement. Ah, Nina, on voit bien niveau force. Pas terrible. Voilà, donc 50. Ah, 6 expériences. Et donc, elle a pris vulnérable. Pour 6 points d'expérience. Quand même. Donc on va... Ce sera le dernier combat, donc on se rapproche du bord. Et là, ils vont avoir 4 ennemis d'un coup. Ah, non, pas. Allez, petite secousse. Et attaque sur... Bon, n'importe. Oh bah parfait. It's perfect. Voilà, Ryu monte à niveau, donc niveau 12. Voilà, maintenant on peut aller chercher l'arme Claymore. Et après, je pense qu'il faudrait que j'aille à un autre endroit. Alors, pour l'arme, voilà. Alors, qui recherches-tu? Mais ça ne vous regarde pas, mademoiselle. Voilà, donc le Claymore, comme vous pouvez le voir. Donc je suis à 44 de base, hein. Et je vais monter à 79. Par contre, c'est le poids, hein. Le poids, ça... Le poids fait beaucoup. Ah bon, la force est là. On va l'acheter. On va déjà l'équiper. Et je vais déjà vendre. Ah, quoique non. Les armes, pour l'instant, je vais les garder. Ça peut peut-être servir pour les autres personnages. Et sinon, bah, je pense que... On va juste se reposer. Pas dans une auberge, mais au moins au campement. Ce sera plus simple. Et beaucoup moins cher. Par contre, je viens juste de remarquer un truc. J'ai oublié de laisser OBS juste derrière. Bon, on va camper. Et puis, il faut que j'aille à un endroit derrière qui me... qui pourrait être intéressant à voir si je peux y aller. Ou peut-être c'est rien du tout, même. Que veux-tu faire? Bah, me reposer, bien sûr. Et que veux-tu faire, bien sûr? C'est sauvegarder. De toute façon, pour le boss final, il faut au moins que je sois au niveau 50. Plus bas, c'est limité. Quoique, tant que j'apprends une... Donc, c'était quoi comme attaque? C'est Aura, je pense. Aura, c'est une attaque qui est très, très, très puissante, mais qui coûte énormément de points de combat. Il y a quoi là-bas? Ah, je pense que c'est un coffre qui est là-bas, mais je sais plus où. C'est là, je pense. Voilà. Ah, voyons voir. C'est quoi le coffre?
J'agence. Alors, regarde. Augmente force d'une cible. Bon, non, c'est pendant un combat en fait. Descendre, c'est par là, ça serait bien. Bon, alors, si c'est un objet qui se vend cher, pourquoi pas? Donc on va. Ah oui, aussi. Si on veut, je pense que c'est. Là-bas, c'est un maître, je pense qu'il y a. Attendez juste 2 secondes. Je voulais voir concernant le maître en question. Mais... Durandal, que veux-tu? Moi? Je ne sais rien. Non, rien du tout. Je ne suis qu'un petit gars dans une petite ville. Si tu le veux, vraiment, je peux essayer de faire quelque chose pour toi. Que veux-tu? Vas-y. De manière sérieuse, je dois donc faire de mon mieux pour toi. Moi, je sais qui est mon apprenti. Ce sera plutôt à la fin, ça. À la fin, je sais qui devra m'apprendre certaines choses. Mais bon. Maintenant, pour les autres. Par amusement, je pourrais mettre Nina. Mais... Bon, c'est pas besoin. Par contre, ce qui se passe en bas là, ce sera pour plus tard, ce sera la surprise. Ouais, donc en fait, ici, dans chaque endroit du monde, que ce soit à Vaux, que ce soit donc Bois Cèdre, mais un peu plus en retrait, il y a des messes qui permettent justement de vous apprendre des nouvelles attaques, etc. en fonction du temps qui passe. Par exemple, Bunyan, c'est aussi un maître. Voici l'accès à la route. Là-bas, il y a une petite cabane. Écoutons un peu ce que dit son propriétaire. Ah, ouais, d'office. Pardon. Il y a d'office des ennemis pas loin. Ah ben, ça commence déjà fort, hein. Bon. On va attaquer direct d'entrée. On a quand même au moins un. Aïe. Bon, ça ne fait pas beaucoup de dégâts, je pense. Bon, un dégât est manqué. Super. Et un seul dégât. Comment j'arrive à rater ça? Franchement. Ah, putain, j'ai eu peur, j'ai cru que ça avait bugué. Ah, faut qu'elle termine. Voilà. Heureusement qu'elle est là, d'ailleurs. Hein. Voilà, donc on va au fur et à mesure récupérer quelques ennemis supplémentaires. Par contre, avant d'aller dans la cabane, je vais voir s'il n'y aurait pas des objets. L'adversaire a pris l'initiative. Bon, écoute, si ça peut lui faire plaisir. Moi, je l'attaque en 2 fois, même peut-être en 1 fois. 2 fois. Ah, d'accord. Ah oui, je vais voir combien il va faire avec son coup de clé. Ouais, 48. Hein. C'est vrai que oui, il est beaucoup plus long maintenant. Ça, le problème. C'est pour sortir aussi. Je pense que je trouverai rien. Secousse. Et Ryu, bah. Ok. Ouais.
Ouais, quand même 58 niveau dégâts, donc c'est pas rien. Donc là il n'y a rien et je suppose que là-bas il n'y a rien non plus, donc on va directement aller. Ah, ou peut-être derrière. Non, ça a l'air que non. On va directement rentrer, enfin avant le combat. On se combat contre la maison. Deux points d'expérience et Wizard. Bon, nous allons rentrer dans la petite maison. Voilà, donc directement qu'il rentre, hop, ça sort. Ryu, ne t'avise pas, ne t'y avise pas, mon petit dragon. Tu vois, ce n'est pas la peine de résister, canaille. Tu nous intéresses vraiment pas. Ah tiens donc, ça change vraiment. Mais si tu racontes quoi que ce soit, nous le prendrons très mal, compris? Ce sera encore plus moche si nous essayons de te tuer ici et que tu redeviennes dragon. Un dragon. Ne t'inquiète pas, nous avons tout prévu. Ah, directement des high kicks. Là, ils vous ont amené où ce qu'il y a la reine. Bien sûr, prisonnier. Ah, c'est Jean. J'aime. J'aime. Je sais pas comment je pourrais prononcer vocalement. Donc, ici, l'endroit, c'est où ce qu'il y a les combats. Une fois toutes les lunes, il y a les combats. La pinte de Fall. D'accord, Fall, ils sont à toi. Je dois seulement les surveiller ou quoi? Je dois seulement les surveiller ou quoi? Jette-y un coup d'œil. Et ne touche pas à la bouteille. Nous avons mieux à faire que nous occuper de gamins. Merci, Fall. Ok, les gars. Quand le combat sera fini, on s'occupera de vous. Pour le moment, restez ici et soyez sages, ok? Vous feriez mieux de bien le prendre, gars. Le combat commence, vous savez? Donc en fait, le personnage au-dessus à droite, on va le rencontrer plus tard. Ryu, tout est ok? Si nous pouvions défaire ces liens, les ronger? Je ne crois pas. Ils sont trop gros. Pouah! Comment vous avez fait? Vous les avez coupés avec les dents? Génial, Ryu. Peut-être que nous allons sortir d'ici. On dirait qu'ils sont partis. Ce gars appelé Fall est là. Il a pas mal picolé. Si nous ne faisons pas de bruit, peut-être qu'il nous verra pas. On verra. Ça ira si nous sommes prudents. Allons-y. Donc attention, la discrétion assurée.
Hé, où allez-vous? Nulle part, nous allons nulle part. Nulle part. Nulle part. Exact. À la revoyure. Gagné, Ryu. Je savais qu'on y arriverait. Filons, avant qu'il se réveille. Bon, tant qu'à faire, on va voir s'il n'y aurait pas. On va aller chez le marchand. Armes? Bon, armes. Combien il nous propose en armes? Ça se paye peut-être mieux. Hein. Ouais, toi, même les vestes, hein, tu perds du poids et tout ça. Ok, t'as de la défense, mais. On en perd du feu. Donc, ça, ok. Donc les armes d'office, on a le plus... Si vous cherchez quelque chose de spécial, vous le trouvez ici. Alors... spécial, bouf. C'est ce qu'on trouve partout. Un supplément de prix pour le festival? Pourquoi je devrais faire ça, à votre avis? Qui croyez-vous que je suis? Balio. Un supplément de prix pour... Ah non, c'est... En fait, c'est le singe qui paraît. Ah, le genre de singe, pourquoi? Bon, on va y en voir ailleurs. Hein. Là, c'est les affiches, on s'en fout. Là, c'est quoi? J'ai été roulé. Je croyais qu'on verrait de grandes filles. Mais. Il n'y a que des petites. Des petites. Ah, d'accord. Par curiosité. On m'a dit que je deviendrais une star. Et pourtant, je ne chante ni ne danse. Je traîne ici toute la journée. C'est ça, une vie de star? C'est ça une vie de star? Bah écoute. On dirait que la plus petite femme du monde lui déplaît. C'est pour autant une des plus grandes attractions. Ah d'accord. Ah d'accord, c'est la petite femme du... Hein? Ça se voit pas trop en fait. Ça c'est pour le... ça c'est l'auberge. L'auberge, on va pas y aller. On a le campement. Ça c'est pour vous acheter les tickets, je pense. Les petits, vous êtes là pour le combat? Je ne savais pas que des gamins s'intéressaient à ça. Ils seraient bien étonnés de ce qu'on pourrait faire. C'est difficile de faire des pronostics pour le combat. Tous les participants sont de formidables lutteurs. Alors ici c'est pas encore le cas. Hop. On visite. Bellio et Sander. Ils sont partis il y a un instant et ils s'occupent du combat. Pourquoi vous avez quelque chose à leur dire? Non. Non, on va pas les déranger. Donc ça vient à la pub, non, vous ne pouvez pas y rentrer. Et donc bon, on y va. Voilà, donc on va aller par là, je pense que je peux pas aller. Ah si, je pouvais aller. Mais il me semble que par là je peux pas aller parce que c'est bloqué ou quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est ça en fait. Je regrette, ma cargaison est tombée. Nous ne passons pas ici avant l'arrivée de renfort. Donc voilà, je peux pas. Ok, peut-être ici. Il y a peut-être des objets à prendre. Il n'y a pas des objets à prendre ici, non. Alors quel intérêt d'avoir fait ça en fait? Juste pour le plaisir. Bon bah alors on va aller de l'autre côté. Par là on peut aller? Ah non, c'est pour aller à la pêche. Ah, j'ai pas envie de pêcher moi.
Déjà, il faut une canne à pêche et j'en ai pas. Ah oui, ça par contre, plus tard. En fait, je vais vous montrer. Tu vois un champ de fleurs odorant. Plus tard, il y aura j'aurai un objet qui va me permettre justement de pouvoir y accéder à cet endroit-ci. Mais c'est pas un endroit hyper important pour le jeu, entre guillemets, quoi. C'est un genre de petit supplément. Je viens de penser à une chose, je suis guéri, enfin je suis rétabli. Ah, je suis pas rétabli, vous disais bien. On va pas lancer le niveau tout de suite. On va d'abord aller se reposer. Voilà, donc on se repose. Et puis nous allons enchaîner donc la montagne. Oula, fatigue. La montagne, c'est quoi, c'est montagne boom. Me reposer. On se repose. Que veux-tu faire? On va sauvegarder. Contrôle fichier. On enregistre. Et puis on y va. Ouais, c'est ça le mont Boom. Non mais là bien sûr on s'échappe de monsieur... Enfin des deux frères Bailo et Thunder. Tu prends l'initiative, donc Nina va faire gel sur Tamiyan. Et Ryu va attaquer l'arc noir. Voilà, comme ça on termine, on est tranquille. Par contre lui, je sens bien, il va faire heureux. Ah non, bizarrement il attaque Ryu avant l'arche. Ah là. Donc 13 et lui 44. 48 points d'expérience et 29 zil. Par contre le chemin. Ah bah y'a un coffre. Ouais, si je peux récupérer le plus d'objets portifs, ce serait pas mal. Ah, baleine. Bon, on va attaquer normalement, parce que c'est... Baleine. 14. Ah, souffle poison. Comme par hasard. Bon, je pense qu'elle est toujours empoisonnée, donc ça, il faut utiliser un antidote. Donc, antidote. Voilà, donc elle est toujours empoisonnée. On va utiliser juste un antidote. Tac. Voilà. Comme ça, elle ne perdra pas de vie pendant qu'on marche. Et médicament, au cas où, ça peut toujours servir. Là, pareil avec Tarmian comme tout à l'heure, et Ryu va attaquer le deuxième. Comme ça, lui, on est tranquille. Et double pouce. Oula. J'espère qu'il va le toucher là. Ouais, ça, comme d'habitude, hein, il allait le manquer. Allez, c'est parti. Bah. Non. Je veux bien qu'il soit minuscule, mais quand même, si on pouvait l'attaquer, c'est pas mal. Hein. Merci. Donc là, ça devrait le faire. Ouais. Et donc, 43 points d'expérience, 31 zénith.
Donc on va par là. Ah ouais, en fait là, je redescends. Baleine. Allez, baleine. 14. Ah, encore ça. Allez, alors là, c'est les deux. Voilà, ils vont souffler de poison. Voilà. Ina qui doit normalement terminer le travail. Et donc les deux sont empoisonnés. Donc on va les guérir. Donc un avec l'antidote et un autre avec les points d'expérience. Oh, je vais trier. Trier normal. Donc là, capacité. Antidote sur lui-même. Est-ce qu'il y aura un objet là-bas? Tout ça pour ça. Donc là, on remonte. On remonte. Là, je pense qu'on est arrivé, ouais, c'est ça. On est arrivé. Nina va utiliser donc Simon. Et Ryu va attaquer. Normalement, ça doit tuer d'un coup. Ah, excusez-moi. On continue. Par contre, ça m'énerve qu'il ne touche pas. Ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule. Ah, là c'est mieux. Ouais, il touche. Hein. Ouah. Comment j'arrive à le manquer à chaque fois? Ouah. Allez, meurs. Merci. Enfin, 20 zénis. Oh, 20 expérience, 30 zénis. Je bafouille. On casse les pierres ici. Et on emprunte le téléphérique. Pour les transporter sur l'autre montagne. Très intéressant. Que faites-vous ici, dans les montagnes, les enfants? La nuit va tomber, il faut rentrer. On essaie d'échapper aux méchants qui nous poursuivent. Qui vous cherche exactement, ma petite? Un nommé Balio et un certain Sonder, c'est ça. Tu les connais? Moi? Je ne m'inquiéterai pas pour eux. Quel que soit, enfin, quel qu'il soit. Ils ne parviendront jamais jusqu'ici. Demain, nous prendrons le télésiège pour vous mettre en sécurité. Il faudra aller dormir maintenant. Vous pouvez utiliser cette pièce là-bas. Merci bien, monsieur Mason. Mason. On a eu de la chance de rencontrer des gens gentils, Ryu. Allez, il faut dormir un peu. C'est ce qu'ils croyaient que c'était. Ils vont avoir une surprise un peu malheureuse. Verrouillé. C'est bizarre. Je me demande ce qui se passe.
Monsieur Maisson! Enfin, maçon, Maisson. Ouvre la porte! Je les ai. Monsieur Maçon! Tu les as? Rio, oh non, c'est eux! Il faut sortir d'ici. Prenons le téléphérique en marche. Ah, je pensais le contraire. Elle doit utiliser. C'est un télésiège par rapport au Chris, je pense. Donc, voilà, que ça marche au Chris. Donc, elle, c'est elle qui l'utilise. On pourrait le prendre en marche. Ryu monte. Vite! Aucun problème, ça va marcher enfin, je crois. Bon. Où sont-ils? Vous allez avoir une longue et heureuse vie. Pardonnez-moi, les enfants, mais je ne veux pas de problème. Le Christ, c'est comme la magie. Si j'utilise ma magie, quand il démarrera, je sauterai dedans. Je vous ai retrouvé. Ah, princesse, vous voilà. Vous êtes la première. Wouah! Il faut qu'il démarre, il va démarrer. Démarre! Hé, petit, arrête ou je vais être très méchant. Oh non! Oh, il démarre! Si je pouvais juste attraper la princesse. Eh ben, dis donc, c'était risqué tout ça, hein. Que fais-tu? Bah, écoute, je m'en vais. Ah ah ah! On a fini par s'en tirer, Ryu. Pfff. Tu vois? J'avais bien dit que ça irait, non? Est-ce que je t'ai causé du souci? Pas des soucis? Je suis désolé, mais je savais quand même si les choses tourneraient mal. Tu me défendrais, Ryu? Bah écoute, oui. Je ne sais pas où on est, mais une fois en haut de la montagne, on devrait être en sécurité. Bah écoutez, on va déjà voir s'il n'y aurait pas quelque chose de l'autre côté. Ah ouais, non, par là. La manette qui permet de démarrer le téléphérique. Bon, on va changer de. Ah. Je vais changer de personnage, mais bon, c'est pas grave.
Bon. Un petit coup de Simon, ça m'a rien fait. Ah. Ah, c'est bon. Simon. Une grande victoire. 13 points d'expérience et 14 in. On doit aller par là donc. Je pense qu'il faut aller le plus haut possible. D'accord. Bon. Celui-là, ça pourrait être tranquille. Et l'orque, si ça peut me tuer directement. Tarman est volé. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Nina, écoute. Sois gentil. Petit coup de secousse. Et on va attaquer, ça vaut mieux. On prend le risque, on va attaquer. Tant mieux. Voilà. Maintenant on est tranquille. Bah écoutez. Non, pas ça pousse. Gel. Vu qu'il n'aime pas le gel. Voilà, 29 et pour terminer. 56. 64 points d'expérience et 77 zing. Ah, donc là on est... C'est inutile. Nous arrivons nulle part en bas. Bingo! J'espère que j'attends. Rendez-vous! Il n'y a plus de chemin pour fuir. Oublie ça, mon garçon. Mes hommes ont bloqué tous les chemins vers le bas. Impossible de s'échapper. Vous pourriez essayer de fuir, mais nous verrons toujours. Nous vous verrons toujours. Rien à faire. Les mômes, c'est la vie. Ah oui, c'est toi qui le dis. Allez, Ryu, sautons. Quoi? Oubliez ça! Si la princesse meurt, mon frère me tuera. Bah, c'est vrai qu'ils sont complètement inconscients. Parce que même moi, je sauterais même pas d'une montagne. Que croyez-vous que vous fassiez ici? Ryu? Ryu, que dois-je faire? Plutôt sauter qu'être repris, mais regarde un peu ce qui est arrivé à Ryu. Ryu? Ryu, tout va bien? Dieu merci. Je pensais que tu... Tout va bien, merci. Parce que tu t'es transformé en dragon et que tu m'as protégé. Merci Ryu. Je ne sais pas encore comment, mais un jour je me vengerai. Partons. Il ne faut pas qu'ils nous reprennent.
Maintenant qu'on a fait tout ce chemin, non? Ouais, on y va. On y va donc. Donc là, on a passé le mont Boom. Donc voyons voir ce qui nous attend. Mais mon impression dit qu'on va rencontrer un nouveau personnage. Vous allez deviner par vous-même. Bien sûr, on va camper, on va sauvegarder. Et puis on va poursuivre. Par contre, à la tour en question, il y a des énigmes à faire. De ce que je peux m'en souvenir, c'est compliqué. Donc, ce que je vais faire, je vais sauvegarder. C'est une tour avec beaucoup d'énigmes. Pour donc partir de la tour. Non, je pense que c'était pour chercher justement un objet. Il faut faire toutes des casse-têtes, etc. Et qu'au final, bah, je pense que ça a servi à rien. Bon. Donc nous découvrions la tour. C'est vraiment une grande maison, hein. On pourrait peut-être rester ici. Il faut aussi que l'on demande à quelqu'un comment retourner à vous. Il y a plein de vieilleries ici. Vieilleries ici. Je pourrais peut-être en vendre pour gagner un peu d'argent. Bon, vous voulez acheter quelque chose? Bah, je pourrais prendre ça. Je pense des. Ah, singulier. Ah, singulier, ça coûte beaucoup moins cher ici. Ouais, parce que c'est avec des plantes maintenant, à 40 PV. Bah, écoutez, je vais quand même prendre. Ceci. Défense de combien de défense? Ah, mais là, il y a veston en cuir aussi. J'ai combien en défense? J'ai que 40. On va le prendre. Hein. Ça me fait quand même de la défense supplémentaire, donc ça me ferait pas de tort. Par contre, si je fais ça. Si les 4 cristaux qui sont reliés au gros cristal contiennent une énergie magique, un des 3 destins va vous être révélé. Si vous cherchez une nouvelle mission, revenez par ici. Une étrange femme vit ici, une fouineuse. Elle a mis de nombreux pièges partout. Donc de toute façon on est quand même obligé d'y rentrer, donc on va y aller. Je fais un peu le tour hein, pour voir s'il n'y aurait pas un petit coffre non, d'abord ouais, les alentours. Ah, il y a quand même des ennemis ici. Ah merde alors. Bah écoutez, secousse et attaque normale. Je pense que ça les déglingue un peu. Enfin, ça les désoriente. Un petit coup d'électricité. Ah bah 30 XP et 0 ennemis. Ouais, donc les robots ne contiennent pas. Ah bah. Dangereux le nom de Malprotro. Proto n'est point. Comment on combatte? Je l'explique. Oui. Machine comme ennemi, Malprotro il y a. Folle machine il y a.
Mal armure, blindé, détruire armure. Ou ne point gagner. Racontez plus. Oula. Force de l'utilisateur modifié souffle noir. Souffle sans peur, si force faiblisse. Racontez plus. Ennemi magique. La magie attaque sans tenir compte des protections de l'ennemi. Combattre de nombreux jetteurs de sorts. Enlever l'armure. Tant que faire se peut plus vite. On ferme plus de dégâts. Vaccination. Cibler beaucoup d'ennemis utilise le feu. Mais mieux vaut avant de se faire vacciner, laisser le calme revenir. Racontez plus. Fuir. Si tu penses que gagner, tu ne vas pas, alors fuis, tu dois. Renouveler aptitude et recommencer plus tard. Pour vous fuir, ouais. Ça va se reconnaître. Et arrêtez. Essayez plusieurs fois, c'est mieux. Les faiblesses, personne n'est à l'abri. Ouais, d'accord. Bon bah on y va. Attention, crise très intense. Beaucoup de monstres l'ont cherché ici. Vous entrez à risque et des périls, mon mot. Oula! Oh mon dieu! Le problème c'est que je vois un escalier là, mais je pense qu'il faut y aller à droite. Je connais plus trop le chemin donc. Ça, le problème avec Nina, c'est que vu qu'elle a déjà pas beaucoup de force. Ah oui, 18, ah, ça fait mal. Ouais, par contre, il y a un mini-jeu à faire donc. C'est vrai, je viens de penser maintenant. Donc j'en ai déjà tué. Oula, je vous en prie. Ah, c'est bon. J'en ai déjà tué un. Par contre, ouais, c'est ça le problème, c'est que. Les ennemis ici sont plus difficiles. Ça se voit. Aïe 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 aïe. Je ferai pas long feu avec Nina, je pense. Putain, ça me rapporte que dalle en plus. C'est ça le pire. Ça m'attaque de dingue et ça me rapporte rien. Donc, Nina. On va faire d'abord le mini-jeu, mais bon, le problème c'est que ça me fait chier, c'est que. Enfin, ça m'embête plutôt. C'est que maintenant il y a des ennemis qui pop. Ou tout à l'heure, non. Ça m'embête. Il y a encore une dame. Allez, c'est parti, on va juste faire en attaque normale. Voilà, c'est pour rendre aveugle. Là, c'est le cas de Nina. Au moins, c'est bon. Voilà, que 14 points d'expérience, quoi. C'est bon. C'est vraiment minime. Bon, on va faire le mini-jeu. Bon, par contre, ça, il faut aller très très vite. Eh bien bonsoir monsieur Dajunk. Comment allez-vous? Alors Nina va attaquer. Non, va attaquer l'autre. Alors je vais. Voilà, Lisa. Et Ryu, bah. Vaut mieux terminer. Ah, je vais attaquer. Mais bordel de merde, je vais attaquer l'autre. Là, voilà. On fait aller, oui, je suis un peu au courant de ce qui se passe dans le domaine privé, donc ouais, je peux comprendre que ça doit pas être terrible. Ah, j'avais oublié lors du poison. Évidemment, Ryu est touché. Ouais. Je pense que ça va être un niveau un peu plus compliqué ici. Ça va être un peu plus long. Baleine défend, oui, bah écoute. Écoute, défends-toi.
Moi, ça me convient. Et dernier coup. Alors, la boîte d'attaque, voilà. Et oui. Oh, bonne vengeance. Voilà. Donc, 29 d'expérience, 52 zénith. On va se soigner. Donc, capacité, antidote. Voilà. Alors, on va faire le mini-jeu. Ah, on va faire plusieurs fois le truc. Non, merde. Ouais, je fais comment? Ah non, dis pas qu'il faut descendre le niveau 2. Donc ça sert à rien. Ça ne sert à rien sauf si je dois faire le tour. Bon, écoutez, attendez. On va le refaire. Je relance. Par contre, si ça, c'est des ennemis. Merde. Ouais. Merci. Elle vise correctement, bon sang. Oh là là. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. J'ai raté. J'ai raté. Ah, vu qu'elle est pas assez rapide. Donc, on va recommencer. On va commencer, mais faut que ça aille un peu plus vite. Oh, attaquer là, maintenant. Ah, c'est pas ça, c'est pas bon. Ah oui, t'inquiète, ça va d'aller. Je connais le jeu, mais le problème, c'est que... voilà, il y a des moments, il faut farmer. Faut le faire évoluer. Un mieux au niveau. Et bien sûr, bon, dès qu'on a des coups de poison, etc., c'est... Non, pas équipement, je me trompe. Capacité. Ryu, antidote. Pourquoi c'est une... Ah oui, c'est une norme d'office. Bon, attention, c'est reparti. Bon, j'espère qu'elle ira un peu plus vite pour faire ses coups. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins ça, ça attire les ennemis. Donc, voilà. Une. Ah, ah, j'ai mal visé. Ah, vite, 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 vite. Ah, ça va être peut-être tout juste. Voilà. Ah. Juste pour récupérer un coffre. Maintenant, je voudrais essayer pour voir si je fais le cristal. Voir ce que ça va faire. Soit je peux faire ça. Bon, Ryu va attaquer normalement. Ah, c'est fait à l'autre. Ah, ça va. Par contre, ce que j'ai peur... Ah non, ça. J'allais dire une bêtise. Quand il y a cette attaque-ci, c'est juste qu'elle est aveugle. Enfin, la personne est aveugle, mais il n'est pas confus. Presque aveugle. C'est-à-dire on a beaucoup moins de chances de toucher la personne. Mais finalement, voilà. Et puis après, à la fin du combat, bien sûr, on devient... On devient clean. Bon, on va essayer de réactiver le... Non, par là. Ah, ça fonctionne plus. Ah merde. Dommage.
Ça c'est bien dommage, j'aurais aimé que ça fonctionne. Ah, vous trouvez mute. C'est juste ça? Juste ça. On va dire que ça peut être bon aussi, je dis pas le contraire, c'est... Voilà. C'est-à-dire donc les trois qui sont présents, les trois combattants, voire les deux, récupèrent tous les PV en utilisant ça. Donc voilà, je pensais que ça... Ah, directement que je sors de... Ouais, donc ça va, c'est juste un petit coup de secousse et on tape. Voilà, il est confus. Mais malgré tout qu'il soit confus, il attaque quand même. Bon. Je sais bien qu'à un endroit précis ici, on peut se reposer. Bon, on va se mettre au max. Je pense qu'il y a un passage là-ci. Ah! Quoique, est-ce que vous pouvez casser les pots? Non, pas casser les pots. Et on peut pas regarder. Attends. On est obligé de passer par celui-ci. Allez vers la droite. Et il y aura sûrement un ennemi. Voilà. Faire tout le petit chemin et arriver, j'espère, jusqu'au... Non, on va rester en secousse. Là, on attaque. Pour moi, si il y a un collègue à lui, il aura attaqué le collègue et pas nous. Quoi. Et à nous. Ça fait mal. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas non plus des stocks à l'infini. Hein. Bon. Replante, tac. Faudrait que j'arrive au moins à parler à Momo. Enfin, ça s'appelle Momo, la personne. Ah bon, ça dépend des ennemis. Si c'est des petits ennemis, ça va, il y a toujours moyen d'arriver au moins à la moitié. Mais si c'est des gros, voilà, ça par exemple, c'est bon. Je fais secousse. Les deux robots vont être un peu désorientés, ils pourraient peut-être se toucher entre eux. Et Ryu, bah, il va attaquer. Il va attaquer. Non, on va attaquer lui parce qu'avec le poison, ça peut être pénible. Ah, ça c'est bien, voilà, histoire, c'est... Voilà. Ah, souffle poison! Il y a toujours un des deux qui est touché, hein, ça, on peut pas passer à côté. Bah, je crois que mineur faisant ça, c'est bon, au cas où. Donc au moins, il soit tranquille. Ah merde, il est toujours là. Comme ça, on est tranquille. Ça va, il fait pas si mal que ça. Par contre, Nina, elle fait pas beaucoup de dégâts sur le... en attaque normale. Hein. Oula, 121 en coup. Ça veut dire... Le coup, ça veut dire qu'il se donne vraiment au maximum qu'il peut. Hein. Ça peut doubler le... l'attaque de... Ah ben là, je pensais là. Parfait. Ça, j'aime, ça, par contre. Voilà, je peux me reposer tranquille. Faire ma sauvegarde tranquille. Et repartir de l'avant. Je pense qu'il n'y a pas d'objet. Sur le Christ et les monstres. Beaucoup de monstres semblent réagir fortement. Au Christ, ils sont... Ils se synchronisent avec la structure énergique du Christ. Ouais, d'accord. Minerai magique.
Le Christ tient sa force de l'énergie magique que possèdent certains êtres avant de mourir. Pour l'instant, le gros processus de fossilisation engendre le Christ. Le Christ. Je m'en rends compte juste après que je dis le Christ. Mais c'est le cri. Le Christ. Pas le Christ. Donc, engendrant le Christ est toujours inexpliqué. Machine en crise. Presque toutes les machines en crise trouvées sont très sophistiquées. Bon. Trop sophistiquées pour pouvoir être reproduites. Ok. Les machines et leurs utilisations. Les machines ont de multiples applications. Mais étant donné que les mécanismes internes sont inconnus, il est très difficile de les réparer. Bien dommage. Trouver des machines. La plupart des machines ne fonctionnent pas quand on les retrouve. Elles fonctionneront à nouveau si on les répare et si on les recharge en crise. Bah écoute, c'est un peu logique au niveau réparation. Soldats mécaniques. Quelques machines en fonctionnement automatique ont été découvertes comme elles réagissent avec agressivité au mouvement. On les appelle les soldats mécaniques. D'accord. Y a rien. Donc, je suis bien rétabli. Oui. Par contre, je suis qu'au niveau 11 et 12. C'est pas fameux, hein, je pense. Hein. Faudrait que j'essaie de monter un chouïa plus. Hein. Parce que je pense qu'il y aura certains boss. À un niveau assez peu, ça me rassure pas trop. Bon, donc nous allons continuer le chemin. Bon, bien sûr, directement quand on sort, paf, on se fait attaquer. Et pas n'importe lequel, hein, quand même, quand je vois tout ça. Hein. Bah écoutez, on va faire ce pouce. Et Ryu va attaquer normalement, mais je sens que ça va partir en cacahuète si ça. Ça va pas faire des dégâts. Mais eux vont faire des dégâts. Et ils en font des dégâts. Et ils en font des dégâts. Oh là 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 là. Je suis vraiment tombé sur les meilleurs ennemis aussi, hein, ça, y a pas à dire. Et maintenant, est-ce que Nina pourrait pas faire une attaque elle peut pas me guérir. Bah, écoutez, on va faire Simon. Non, alors, on va faire ce coup. Ça touche les trois. Et j'espère que ça va fonctionner. Mais... Je serais le premier à le faire. Bon, moi ça tue un. Hein. Bien, c'est parfait. Bouh limite. Ou souffle de glace. Ça annonce mal. Veuillez juste m'excuser, je réponds vite fait à un message. Voilà, désolé. Bon, ça marche pas trop quand je vois tout ça. Hein. On va refaire ce pouce et Ryu va faire. Guérir. Par contre, j'espère quand même que ça va me rapporter des points. Et là d'office je vais refaire nuit pour rendement endormi. Oi 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 oi. Ouais, vaut mieux que ce soit plutôt
Ça m'embête, ça. Ça m'embête. Ouais, écoutez, on va utiliser Simon, mais que... Ah, ouais, le problème, c'est que... Ah, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Bon, ouais, je préfère sur Ryu, quand même. Maintenant, à ce moment-là, il faudrait que ça me touche moins. Parfait. C'est exactement ce que je voulais, comme ça. Maintenant, on peut utiliser une plante. Sunina. Bon, moi, je termine le travail. Voilà. Donc lui va attaquer, normal, on s'en fout. Ah, ça fait mal. Et moi je termine le coup. Voilà. Ah, ben ça je préfère. 92 points d'expérience. Donc ce qui fait que Ryu monte d'un niveau. Et 152 ennemis. Je les mérite, hein, je pense. Donc là on va refaire pareil. On va se reposer. Par contre, je voudrais bien rencontrer Momo avant de terminer ce stream. Ce serait bien. Comme ça, je la rencontre. Je reviens ici, je sauvegarde. Et on refera ça demain. Et demain, on va dire, ce sera plus des énigmes à résoudre sur la suite du jeu. Bon, c'est parti. J'espère qu'on va pas rencontrer trois gros monstres d'un coup. Ça va. On se pousse et Ryu va attaquer normal. Ça au moins ils sont désorientés, ils vont se taper entre eux. Voilà. Ah par contre quand ils font une attaque charge, ça attaque pas le collègue. Là, c'est quand même étonnant. Voilà, donc Nina. Voilà. Nina va encore refaire ce coup, ça. Voilà. Et Ryu va aller. Voilà. Bah t'as gagné 45 points d'expérience. Maintenant ouais, vous voyez que Ryu maintenant il faut... Il en faut des niveaux maintenant pour... Enfin des expériences pour pouvoir monter le niveau. Bon, faisons plus vite. Bon, je passe directement à la partie. Ah bah ouais, c'est parfait. Qu'est-ce que c'était? Enfin, qu'est-ce que c'est? Ah, pas que c'était, qu'est-ce que c'est? Et donc voilà la scientifique Momo. La clé réside sans doute dans la stabilisation du Chris pur. Exact. Si la pression de gazéfication est assez basse. Et. Quoi? Vous êtes des amis de Mouzi? Enchanté! Je suis Momo! Et oui. Enchanté de te rencontrer, mais qui tu sais? Quoi? Je veux dire, on n'est pas vraiment des amis, nous cherchons la route de Vaux. Quoi? Désolé! Mes oreilles sifflent depuis l'explosion
Salut! Où est la route de Vore? Quoi? Désolé, mes oreilles sifflent depuis l'explosion. Ah, on a compris. Pas de problème. Je vous conduis moi-même à vous. Merci beaucoup. On vous le rendra dès qu'on sera arrivé au fort. Fort? Un moment, quand vous dites Nina, vous parlez de la princesse Nina? Votre Altesse? Excusez-moi, pardonnez-moi. Je ne savais vraiment pas. Tout est en ordre. Tu nous aides. Enfin, appelle-moi Nina, s'il te plaît. Ah, vraiment? Ok, Nina, est-ce qu'on part? Je dois encore régler certaines choses. Repose-toi encore un peu jusqu'à ce que j'ai fini. Allez, maudit, on y va. Ah, par contre, c'est bien, on se repose directement. Ce qui serait encore mieux, c'est qu'on puisse sauvegarder maintenant. Mais ça, j'ai peut-être un doute. Merci d'avoir attendu. Dites par hasard, vous ne seriez pas poursuivi par des types patibulaires? C'est étrange. Quand je suis sorti pour faire une course chez le marchand, j'ai vu ce type à l'allure revêche. Sale bonhomme! Et vous là-bas, enfin, sale bonhomme. Et vous là-bas, on est pressé. Avez-vous eu des enfants comme celui, comme ceux-là, comme ceux-là? Je ne suis qu'un pauvre marchand, vous savez. Alors, si vous voulez savoir quelque chose sur les enfants, il faut payer, compris? Et inutile d'avoir peur. Je veux dire, dans cette tour. J'ai expérimenté le Chris. Ainsi, il y a beaucoup de monstres ici. Et aussi des soldats mécaniques en Chris. Piège pour me protéger d'eux. Et tout un tas d'autres trucs. N'ayez pas peur. Ils ne peuvent pas monter si facilement. Mais Momo, on est allé jusque-là. Oups, tu as raison. Comment as-tu fait pour monter jusque-là? On s'en moque pour le moment. Il faut qu'on file d'ici. Exact. Comme on peut pas descendre, on n'a que monter. T'as vu? Pas d'inquiétude, il y a un chemin pour sortir. Allez, partons. Et voilà. Donc on a un nouvel allié qui est donc Momo. Veux-tu sauvegarder maintenant? Parfait. C'est tout ce que je voulais. À 1 minute 25, presque à 5 minutes près. Nous allons donc quitter maintenant. Et nous allons. Donc, le prochain retour vers le passé, ce sera donc demain. À partir de 5 heures. Toujours à mon compagnie. Et donc, ce soir, il y aura du GTA RP à partir donc de. 21h, voire peut-être plus tôt. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à mes amis canadiens, québécois et américains. Et une bonne soirée à mes amis européens.
Et surtout, faites attention à vous.